inconscient culturel québécois, pour peu que l'on aime le théâtre, le cinéma, la télé ou la radio. Pourtant, ce personnage aux allures si familières est un homme de progrès, un tribun, fier de ses convictions sociales et politiques. Pendant dix ans, ce fils d'immigrant élevé dans le quartier montréalais de Villeray a présidé l'Union des artistes, un syndicat de travailleurs autonomes qu'il a su moderniser et nantir de nouveaux services. Mais son apport majeur à la société québécoise aura été son travail à la tête d'un improbable regroupement, la Coalition canadienne pour la diversité culturelle, qui, sur la scène internationale, fit accorder à la culture, celle du Québec comme celle du Canada, du Sénégal ou de l'Islande, un statut particulier lui permettant d'échapper aux grands accords commerciaux tels l'ALENA. Sa passion pour la culture et la langue française lui a même fait faire un saut en politique chez les péquistes. Mais après cinq ans de vie parlementaire, il a quitté ce milieu sur des questions de principe et de conviction. Depuis, il continue de militer haut et fort pour que le français ne finisse pas tout au fond dans le folklore multiculturel canadien. Commencer, moi je suis un fils d'immigrant, c'est important. Fils d'un père italien, né en Italie avec le siècle, il est né en 1900, qui est arrivé ici dans les années 19. Puis moi je suis le dernier enfant, fait que quand, quand moi je suis né au monde en 1946, mon père était assez âgé, il avait 46 ans. Donc, euh, donc, on est des, euh, des fils de, de première génération d'un père immigrant italien. Ma mère était née au Québec, mais de parents immigrants français, puis elle était fille unique. Donc, il y avait une forte influence de, de l'Europe chez nous. C'est encore vivant. Ça, ce qui nous a permis d'avoir accès, par exemple, à la lecture. Chez nous, les livres, il y en avait. Il y avait beaucoup de livres, il y avait beaucoup de musique. Puis c'était normal, c'était pas mon père, c'était un, un, un homme simple au niveau du travail. T'sais, il n'avait pas étudié en Italie. Il venait d'une région qui s'appelle les Marches en Italie, très belle région, les Marches. Et donc, mais évidemment, il n'avait pas étudié. Il est venu ici, il s'est mis à travailler dans le domaine de la restauration. Puis il a toute sa vie a passé dans les restaurants. Donc comme waiter, comme des fois chef d'un groupe et tout ça. Mais euh, puis la fin de sa vie il était ou était dans une taverne, monsieur. Je, je pense que ça s'appelait la taverne Toblake Blake, ouais, C'est ça. Donc, on venait d'une famille modeste, mais pas non plus euh, pauvre et misérable, parce que du côté de ma mère, euh, les grands-parents euh, avaient un certain avoir. Donc, on n'a pas vécu dans la pauvreté, mais on était dans un milieu ouvrier. Et on était des fils euh, euh, de première génération. Et ça, ça compte, ça, ça a une certaine importance. Mes frères ont dû se battre souvent, euh, parce qu'ils se, se faisaient appeler de, de « wops », mais non. Moi, je suis arrivé le dernier dans la famille, puis ces combats-là, mes frères les avaient menés, je n'ai pas eu à souffrir de ça. Sauf que j'avais vécu dans un milieu qui était au niveau de la culture, puis au niveau de la connaissance, puis au niveau de l'ouverture. Euh, parce que, tu sais, il y a eu des, 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 des euh, cousins italiens qui sont venus à Montréal, qui ont habité chez nous. Donc, on était une famille euh, ouverte sur le monde, mais ça, sans trop le savoir, de naissance, normalement. Puis, on vivait dans Villeray, sacré beau quartier, quartier ouvrier. Moi, mes amis, c'était dans la Ruelle, c'était tout le, le monde qui travaillait. Puis, c'était assez paisible. Là où il y a eu, euh, mais il y avait une chose, comme on n'avait pas beaucoup de famille, par exemple, moi, tout ce qui était à l'extérieur de Montréal, je, je connaissais rien de ça, tu sais, on n'allait pas, on allait pas chez des monongues, des matantes, donc on était des, des, des gens très urbains, puis moi, je vais découvrir la nature à l'âge de 25 ans, tu sais, avant ça, je ne à peu près jamais allé à la campagne. Mes frères étaient plus vieux que moi, mon frère aîné à dix ans de plus, et euh, il, a, il rapportait à la maison beaucoup de discussions. Ils étudiaient, ils ont étudié. Mon frère est un devenu ingénieur, mon autre frère en relations industrielles, mon frère Georges, lui, c'était un. Il a étudié comme pianiste. Euh, euh, ma sœur, elle, était dans le domaine de la coiffure, c'était très diversifié. Et puis, euh, quand on se réunissait autour de la table, il y avait beaucoup de sujets de discussion. Fait que moi, j'étais tout petit, puis j'écoutais. J'ai passé mon enfance à écouter. C'est tout ce que je faisais. Je ne disais pas un mot, mais j'écoutais. J'avais des oreilles grandes comme ça. J'écoutais, puis j'apprenais. Tu sais, J'étais informé. Là où il y a un passage, à mon sens, qui est intéressant pour le sujet qui nous touche, le, le militantisme. Moi, me définit pas comme ça, mais je comprends l'idée de. C'est euh, au moment de ce qui est l'équivalent du secondaire. À ce moment-là, mes frères avaient été allés euh, dans les cours classiques au Collège André-Grasset. Puis moi, j'avais passé des examens, puis j'aurais pu aller au Collège André-Grasset, mais j'avais aussi passé des examens dans ce qui s'appelait, à ce moment-là, le cours classique de la Commission scolaire de Montréal. Euh, C'est-à-dire que la CSDM, à ce moment-là, avait ouvert je pense, quatre écoles, l'équivalent de, des écoles secondaires de maintenant, qui offraient exactement le même contenu que les cours classiques, qui étaient les cours classiques donnés par les congrégations religieuses. Et c'était gratuit. Puis il y en avait une qui était pas loin de chez nous, Casse-Grain et de Gaspé. C'était comme à dix minutes de marche. Puis euh, moi, je suis allé là, euh, je suis allé là, et là, j'ai retrouvé du monde du quartier, puis j'ai retrouvé aussi du monde qui était des fils d'immigrants, euh, souvent des Italiens, mais pas juste des Italiens, d'un peu partout. Puis eux autres, là, c'était souvent, dans, ils arrivaient là parce que il n'y avait pas de sous. Ou du monde qui venait de d'autres régions, tu sais, qui venait de l'extérieur. Et on s'est retrouvé euh, un groupe d'étudiants, de, de, de jeunes hommes, parce que c'était juste, c'était masculin. Euh, qui venait du même milieu social et à qui on a offert une éducation extrêmement exigeante. Parce que pour aller là, à l'époque, il fallait passer des tests d'intelligence puis ils nous disaient, vous autres là, c'est gratis parce que vous êtes intelligents mais vous êtes pauvres, faut que vous étudiez puis faut que, tu sais, fallait réussir. Mais en même temps, il y avait une très belle qualité d'éducation. Puis ce, ce monde-là, donc, on a fait quatre ans là, puis après ça, il a fallu aller dans des collèges. Moi, je suis allé au Collège Saint-Laurent faire les quatre autres années, donc l'équivalent du Cégep. Euh, il y en a d'autres qui sont allés à Sainte-Marie. Mais quand on est arrivé au collège privé, dans ce cas-là, dans le, les collèges payants, on venait d'une classe sociale ouvrière, souvent assez pauvre, et mais qui avaient été instruits avec beaucoup de, de force, tu sais, on travaillait fort, puis c'était des bons profs, puis on était, on était arrivé là, on était armé au niveau de la connaissance, même si on n'avait rien. Et ce, on a eu, il y a eu là une sorte de, pas d'affrontement, mais de constatation qu'on ne venait pas de la même classe que les fils de médecins, d'avocats, de notaires, de bourgeois qui fréquentaient. Puis je leur en veux pas, là, tu sais. Euh... Et ce monde-là, d'ailleurs, on est encore des amis. Euh, euh, 60 ans après, c'est des gens que je retrouve deux, trois fois par année, puis on se retrouve parce qu'on vient de là en même temps. Et ça, ça a été la première fois que moi, j'ai pris conscience, je dirais, des, du phénomène des classes sociales, et puis du phénomène que... Euh, il y avait une classe sociale, puis on n'était pas tout seul, là c'était généralisé, classe sociale à qui l'éducation venait de donner les moyens de, de, de changer de classe et de s'approprier la société. Puis ça, je pense que ça a été un phénomène qui a été répandu à travers le Québec, que ça a été un phénomène majeur. Là, on parle des années 60, tu sais, à peu près, 68. Je pense que j'ai fini le cours classique en 67. Après ce monde-là, de mes amis, là, ceux qui étaient au Collège Saint-Laurent. Puis là, c'est devenu mêlé. Là, on a pu monner les classes à ses On est devenu, là, de ces gens-là. Puis on a eu des très bons profs de politique. Euh, dont André Larocque, par exemple, euh, qui nous ont donné, là, une sorte de conscience politique. C'était des années effervescentes, tu sais. Euh, euh, et là, euh, après, à la fin du collège, moi, je suis allé vers les arts parce que j'avais découvert le théâtre, puis je venais d'une famille où la culture était. puis que, tu sais, il y avait quelque chose de, de naturel là. Mais en même temps, j'avais été très conscientisé politiquement, puis plusieurs de mes amis sont allés vers, la, vers soit le syndicalisme. Plusieurs sont devenus des syndicalistes à la CSN. Il y avait Pierre Bonnet qui a été là pendant longtemps, qui a été l'adjoint la, de Gérald Larose, conseiller politique de Gérald pendant des années. Pierre, Pierre Bonnet. Puis une partie d'entre eux sont allés vers la politique. Claude Charron, par exemple, faisait partie de ce groupe-là. Ils ont créé le Mouvement Souveraineté Association. Ça, c'était pas mal du monde qui venait de mon entourage. C'est du monde avec qui j'avais vécu, là. puis d'autres d'ailleurs, mais c'était un, un noyau très solide. La vague de, des Italiens qui sont arrivés au début du siècle, dans les années 20 et tout ça, avant la c'était une vague d'immigrants qui, en général, c'est probablement partagé, mais plusieurs d'entre eux, puis c'est le cas de, je pense à Gaétan Biancamano, je pense à plein de monde, les Dandovin, Dandavino, ont s'intégré à la communauté française, soit par mariage, c'était le cas de mon père, euh, mais c'était fort à ce moment-là, l'assimilation linguistique se faisait, puis elle se faisait du côté francophone. L'autre vague d'immigration italienne est arrivée dans les années 50. Après la guerre, ils venaient souvent un peu plus du sud et ceux-là euh, se sont orientés directement vers l'anglicisation, le, vers les écoles anglaises, puis, puis ça a donné Saint-Léonard, puis ça a donné tout le conflit, puis les Italiens n'ont pas joué un rôle très positif pour le français à ce moment-là, au contraire. Tu sais, mais cette première vague, dont je suis euh, la première génération, on s'intégrait à la communauté française. Si les gens vivaient, il y en avait moins. Puis on était, tu sais, comme dans Villeray dans ce temps-là, euh, tout le monde parlait français là. Y, euh, il y avait des groupes d'Italiens au marché Jean Talon, puis tout ça, mais essentiellement, les gens, on vivait, puis on travaillait, puis on étudiait en français. La question se posait même pas. Les anglophones étaient une minorité, mais une minorité située localement. C'était euh, à l'ouest de la ville, puis c'était comme une, une minorité qu'on connaissait mal. On l'a découvert quand on s'est politisé, quand tout d'un coup on a découvert que les leviers économiques, que les décisions politiques, plusieurs des décisions étaient prises par une minorité anglophone, puis on a compris que tout d'un coup on était un peuple dominé et puis on l'était un peu partout. Puis c'est là qu'ont commencé la McGill français, les guerres, puis aussi la politisation, puis c'est allé jusqu'aux événements d'octobre. C'était, euh, tu sais, on se sentait, puis on l'était, un peuple dominé par une minorité qui... Euh, qui, était, qui avait tous les pouvoirs. Donc, il y a eu une réaction. Mais cette réaction-là, elle est beaucoup due au fait que l'éducation avait permis à une classe ouvrière, donc qui souffrait plus de cette domination-là, de se réveiller. C'est la prise de conscience de cette génération-là, et elle était nombreuse, la génération. Ça a, ça a eu un effet de levier, puis ça a amené à, aux années 70, au moment où, tout d'un coup, on a porté au pouvoir le Parti québécois, qui était très inc incrusté dans, dans les préoccupations du monde. Moi, j'étais un acteur, mais euh, en même temps, c'était mes amis qui étaient là, fait que j'avais des liens avec eux autres. Puis aussi, au niveau de, du jeu, euh, au niveau de la fonction d'acteur. Par exemple, moi, j'allais à l'école nationale de théâtre, et là, bizarrement, l'école nationale de théâtre, qui était bilingue, mais c'était deux sections, euh, puis on se met bien, il n'y avait pas de problème. Sauf que là, quand on était à l'école nationale, on s'est rendu compte que la domination au niveau culturel, c'était une domination française. À ce moment-là, le directeur de l'école, plusieurs des profs, nous faisaient jouer juste des auteurs français classiques, puis... On n'avait aucun accès à notre dramaturgie, à nos, euh, nos auteurs, puis ils commençaient à naître à ce moment-là, les metteurs en scène qui travaillaient. On... Et euh, avec les gens de l'École nationale, là, ma classe, en troisième année, euh, ben on a fait 1068, puis on a quitté l'école. On a contesté l'École nationale de théâtre. Puis on a dit, nous autres, là, on, est, on en a marre d'être payés pour jouer euh, tout une, un théâtre qui ne nous parle pas, qui ne correspond pas à ce qu'on veut, à ce qu'on pense, à ce qu'on sent. Puis là, on a entrepris des négociations avec la direction. Ça n'a pas marché. Puis on a quitté l'école. On a ébranlé l'École nationale sérieusement parce que tous ces finissants venaient de l'abandonner. Euh, bon, puis c'était les gens qui se sont joints ensuite au grand cirque ordinaire. Euh, moi, je me suis joint aux jeunes comédiens du théâtre du nouveau monde à ce moment-là avec Robert Gravel. C'est un drôle de métier que le métier d'acteur, c'est un métier euh, où, euh, qui nous permet, comme tous les métiers, je pense, mais ça te permet, ça te confronte à toi-même, ça t'amène à te connaître, ça t'oblige à t'approfondir comme personne. C'est un métier qui te confronte à, à tes émotions, à tes pensées, à tes réflexes. Et donc, euh, moi, j'étais un enfant assez timide, assez réservé, moins quand j'ai été collégien, mais pour moi, il y avait dans le jeu, puis il y avait, je trouvais, en tout cas, à cette époque-là, on avait aussi le sentiment que la culture allait changer le monde. Tu sais, ça était dans les valeurs... Euh, les valeurs d'amour et de paix, il y avait la conviction que euh, la culture était un acteur important euh, et ça avait du poids. Et alors que l'économie n'était pas la seule définition de l'humain à ce moment-là, il y avait une définition qui semblait, qui était partagée par toute une génération un peu partout sur la planète. Qui portait de l'espoir, puis dans cet espoir-là, il y avait beaucoup d'illusions, il y avait beaucoup de rêves, mais il y avait beaucoup aussi de, de révélations de soi. Tu sais, il y avait beaucoup d'enjeux en, culturels. Et effectivement, ça a changé cette génération là a changé la culture puis l'expression culturelle a participé de ça tu sais ça a été le moment où la famille a été revisitée les relations entre les hommes et les femmes ont commencé à changer et tout ça là c'était c'était ce qu'on charriait là comme artiste aussi donc c'était pas c'était les artistes étaient moins euh, fonctionnels ou moins définis par euh, euh, par la consommation, il était plus incrusté dans un mouvement social. Je dirais que s'il y a une grande différence, c'est que c'est moins facile maintenant, comme artiste, d'être inscrit dans la, les changements sociaux. C'est moins facile. À ce moment-là, la vague nous portait, puis on tirait la vague. On les, les artistes étaient souvent aussi ceux qui précédaient, qui sentaient les changements, puis qui les exprimaient. Le fait qu'ils expriment, ça permettait à d'autres de, de, faire, de faire la vague. J'avais toujours pensé que les artistes étaient à cette époque-là, puis ils sont encore probablement, mais l'écume d'une vague, la, la, ce qui précède l'arrivée de la vague. Les jeunes comédiens du Théâtre du Nouveau Monde, euh, J'entre dans cette troupe-là qui est dirigée à ce moment-là par Jean-Pierre Ronfort. Et c'est la. c'est comme sous l'égide du théâtre du Nouveau-Monde, mais c'est financé par euh, le gouvernement du Canada, beaucoup. Et euh, cette troupe-là a pour but de jouer en français dans toutes les provinces du Canada. Et donc, on part en tournée, puis là, on va vraiment de Terre-Neuve jusqu'à l'île de Victoria, dans toutes les provinces, et on joue dans toutes les communautés francophones qui sont souvent très isolées. À Terre-Neuve, écoute, je pense qu'il y avait eu le téléphone deux ans avant, là où on a joué. Euh, il était très loin il parlait quasiment un français du 16e siècle dans ces villages-là à l'époque puis on joue comme ça dans les provinces de l'ouest, souvent au nord là où il y a des villages francophones en Colombie-Britannique, on joue aussi euh, pour des groupes qui, qui, qui apprennent le français, tu sais. on va même dans l'est la, la, des États-Unis, au Connecticut dans ces états-là, jouer dans les universités parce que c'était très francophile les universités, puis il y avait beaucoup de sous donc ils nous invitaient à jouer, on joue Molière puis on joue une création collective. Puis moi, je découvre euh, concrètement, parce que c'était long, là, on parle de mois de temps pendant lesquels euh, on faisait des sauts de puce en avion, mais le reste du temps, on était dans une camionnette, euh, on jouait, on était six, on montait le décor, on était dans le réel, on était dans la vie du monde. Et puis moi, je découvre le Canada et. Euh, Bon, j'avais des idées politiques déjà. Je n'étais pas innocent complètement, mais en même temps, ce voyage-là, c'était comme un voyage initiatique, et la conclusion était très claire. Quand je suis revenu, je me suis dit :« Ben, c'est un bien beau pays, mais c'est pas le mien. Et puis ce qui serait logique, ce serait que on fasse l'indépendance, qu'on qu se sépare. » Pas, pas, de, pas de haine, je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas ce sentiment-là. Il y avait juste une telle différence au niveau de la culture, au niveau de la langue, au niveau de tous les comportements, qu'après un voyage, après avoir fait d'une mer à l'autre, c'était évident qu'on était une entité extrêmement distincte, différente, avec une langue, une culture, des ambitions, une vision du monde qui est. Pas compatible avec le régime politique dans lequel on vivait. Au retour, euh, moi, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, j'ai quitté les, les jeunes comédiens, puis je me suis joint au Grand Cirque Ordinaire. C'était une troupe qui était profondément incrustée dans la société, mais c'était pas un groupe politisé. Moi, quand j'ai été à l'intérieur du Grand Cirque, j'ai joué la carte politique. J'ai essayé d'incarner ce discours-là. Mais ce n'était pas le propos de la troupe. Il y a eu des troupes qui étaient politiques, mais le Grand Cirque n'en était pas une. C'était une troupe sociale. Mais ce que je veux dire, c'est que le parcours comme artiste n'était pas... Euh, était pas en, en désaccord avec ce qui se passait dans la société, au contraire, c'était la même énergie. On revendiquait de la même façon euh, une sorte de liberté, puis une réappropriation de ce qu'on était, de notre culture, de notre langue, de notre façon de parler, de notre façon d'être. C'était une façon pour nous autres de nous emparer de la la. De la, du théâtre, comme les chanteurs s'emparaient de la parole chantée, comme les poètes s'affirmaient, comme en peinture, tout d'un coup, c'était toute la, la peinture qu'on qu connaît, là, de Ferron, puis Gauvreau, tout ce monde-là. C'est à peu près, on était dans cette mouvance-là. C'était une troupe euh, euh, qui était assez fascinante parce que c'était une troupe basée sur l'improvisation. Alors, c'est des spectacles qui étaient jamais écrits, qu'on improvisait soir après soir avec une structure. Donc il y avait beaucoup de liberté, il y avait pas de metteur en scène, c'était très libre. On avait introduit de la musique dans cette troupe-là. Donc il y avait de la musique vivante, il y avait des chansons, il y avait des acteurs, il y avait pas de direction, mais il y avait un propos. Il y avait un portrait un portrait de la société telle qu'elle était, puis ça rejoignait les gens d'une façon directe. Là. Ceux qui ont vécu, vu le Grand Cirque un peu partout au Québec euh, s'en souviennent comme étant la troupe qui leur parlait. Là, euh, ça a déclenché bien des vocations parce que c'est une troupe qui, euh, qui était jeune, puis qui prenait le risque d'essayer de comprendre euh, ce qui se passait dans la société. Comme j'ai dit, c'était pas nécessairement politique, mais c'était pas non plus apolitique. Moi, j'essayais de garder un, un aspect politique plus, plus, plus conscient à l'intérieur de cette troupe-là. C'était la découverte aussi avec les jeunes comédiens et le grand cirque, la découverte du Québec. Là, on s'est mis à faire de la tournée. C'est une formidable façon de connaître un pays que d'aller en tournée. Surtout quand es une jeune troupe et puis que tu t'as pas beaucoup de moyens, donc tu rentres en contact avec le monde. Tu vas prendre un verre là où les gens vont prendre un verre. T'es dans les villages, tu joues dans des fois on joue dans le sous-sol d'église. T'es dans les lieux où les gens vivent. Alors t'es euh, tu dans leur réalité et tu découvres euh, l'immensité physique du Québec parce que tu sais on allait jouer jusqu'à euh, Gagnonville les villes minières là, tu sais. on était dans plein dans la réalité c'était merveilleux fait que ça ça a été des, des expériences théâtrales extrêmement euh, fortes Entre 1976 et 1980, bon, les troupes se sont défaites, le grand cirque s'est défait. Et là, on a commencé à vivre nos vies d'actrices et d'acteurs individuels. Mais le, comme on s'était donné euh, ces actrices-là et ces acteurs-là, je pense à Paul Baillargeon, euh, Raymond Cloutier, Gilbert Scott, Guy Verte, euh, euh, On s'était donné, mal, sans le savoir, beaucoup d'autonomie comme actrice et comme acteur, parce qu'on n'avait pas quelqu'un qui nous dirigeait, on était obligé de se diriger nous-mêmes, on n'avait pas quelqu'un qui écrivait, on était obligé donc d'inventer nos mots, euh, on n'avait pas, donc, tu sais, on était devenus des acteurs des actrices très autonomes, puis je dis ça parce que au même moment naissait le cinéma. Puis le cinéma, à cette époque-là, ça venait du documentaire, puis les premiers qui ont commencé à faire des films de fiction, ils ne savaient pas quoi faire avec des actrices, des acteurs. Ils n'avaient jamais dirigé ça, des actrices. T'sais. Comment ça marche à une actrice? Qu'est-ce qu'il faut que tu dises pour qu'il te donne ce que tu veux? Ils ne savaient pas. Donc, puis là, nous autres, on arrivait, puis on savait. T'sais. Fait qu'ils avait pas besoin de nous le dire, on savait comment faire. Alors, on est devenus devenu très, très euh, euh, utilisés au cinéma, euh, parce qu'ils avaient besoin d'actrices et d'acteurs autonomes, puis, en même temps, on leur apprenait ce qu'ils devaient nous dire, puis eux autres, ils nous apprenaient ce qu'ils voulaient dire. On était des valeurs sûres, on était des éléments utiles. Et le cinéma naissait, fait qu'il y avait beaucoup de liens entre euh, ceux qui jouaient, ceux qui étaient devant, puis ceux qui étaient derrière la caméra. Ça a été une période extrêmement passionnante parce que, collectivement, puis c'était toujours été collectif, tu sais, ça c'était une autre affaire importante. Moi, j'étais dans des troupes, c'était collectif, tu sais, c'était les troupes des jeunes comédiens, les grands cirques, là, le cinéma, c'était des familles, c'était toujours du collectif. C'était normal. C'est sûr qu'on avait des parcours individuels, mais c'était pas ça l'important. L'important, c'était on était toujours dans un collectif en train de d'explorer une partie de la réalité. Puis ça, c'est politique. Ça, quand tu fais cette démarche-là, à la fois dans l'intelligence puis dans le plaisir, il y a quelque chose de militant là-dedans. Tu es en train d'avancer. T'avances. Je ne te dis pas que ça réussit toujours ou que ça a la même valeur partout, mais avances. Il faut que tu sois quelqu'un d'utile dans une société et que le, le métier, la vie, euh, euh, faut il faut qu'il y ait une certaine cohérence puis que tu sois en train de faire quelque chose qui n'est pas juste pour toi, mais qui est aussi pour les autres. Ce sentiment-là. Donc, c'était pas très individualiste, comme je te dirais, que la dominante de ça était plutôt euh, collective.